Non. Une petite boule de neige, attends. Qu'est-ce qu'il fait? Arrêtez au feu rouge, lui. Aïe. Allez, je vais une, je t'envoie dans l'air. Bonjour. On vous donne des pruneaux de 5,56 pour Noël. Pas moi. Oui, pirate. Eh non, rien d'autre. J'ai vu le cadavre arriver. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se passe que j'ai volé une voiture. Tiens les flics, mon copain. Je leur tire dessus, ils disent rien, c'est guignol. Wow. Oh. Non mais monte, mec, tu fais quoi, monte. Ma porte. I'll bring it by. Aïe. Mais qu'est-ce qu'il lui prend, lui? Il a shooté le Père Noël, il aura pas de cadeau. Y a pas l'excuse. Vas-y, viens, monte. Tiens, du coup, t'as perdu de l'argent, allez, boum. Attends. Où tu montes? Je sais pas, on passe par où? Attendez-moi. Mais... Allez, venez, les gens. Venez danser. Oui, invitez-moi, tout le monde. C'est gratuit. Allez. Spécialement pour la bonne année, c'est gratuit. You, carré VIP. Bah, viens, suis-moi. Allez, viens, copain. T'es où? On monte les escaliers. On n'est pas encore bourré, alors on monte les escaliers, hein. C'est quoi tes escaliers? Venez tous me voir, j'ai une bouteille de champagne, allez. Tu fais quoi avec la bouteille, là? Nico accepte, Nico. Bonne année. Bonne année, tout le monde. Bonne année, venez vous faire arroser. Attendez, je finis quand même, parce qu'à 30 000 dollars la bouteille, ça... Tiens, c'est cadeau. 20 secondes. 17, 16, 15, 15 14, 13, 13, 11, 4. C'est quoi ce merdier, on? Bonne année! Bonne année! Bonne année! Ouais, bonne année! Bon braquage! Les gars, on continue avec l'atomisateur. On continue. Bonne année. Bonne année. Oh merde. Bonne année. Désolé, Réal. Moi, je dis, pour fêter ça, on va atomiser la clientèle. Bah, y a plus personne. Tiens, le videur. Alors maintenant, envoyez à tous ses contacts bonne année. Oula. Bon bah les gars, des putes bonne année, bah je meurs. Cette voiture, elle certes elle est blindée, mais elle rebondit très bien sur les murs. C'est quoi cette monstruosité? Ouais. Oh, ça c'est... D'accord. Oh, toi t'as pas le bon vie. Non. Les un petit problème. Ce sera mon montage à toi. J'ai fait le guignol. Non. Je voulais plus cette paillard, mais j'ai pas réussi. Maintenant on y va à l'arrache. Non. Attends, mec, attends, je vais y aller sérieux quand même, parce que j'ai envie de toi. J'ai envie qu'on me voit sur ton game. Vas-y, c'est bon, j'arrête de parler, allez. Ouais, c'est pas du tout ce parcours là que j'avais imaginé. J'avais imaginé un autre parcours. Parcours que. En fait, moi j'ai un autre parcours. Oh là, j'ai avoir passé. Parce qu'on parle bien là. On parle bien la France ici. Octave. 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 Octave
Mec, à chaque fois je me trompe de touche entre la radio et les phares. Au bout de 4 ans de GTA, j'arrive toujours pas à savoir. Oula, oula. Yoti Ponto. Yoti. Yoti. Je vais casser une manette, je reviens. Non. Vas-y, je me concentre, on va y aller. Mais moi, toi, t'es pas du tout centré avec les conteneurs, en tout cas. Toi. Oh, mais... Oh, je t'ai vu. Oh, je t'ai vu, t'as sauté le conteneur. Mais non, pourquoi elle a pas assez de puissance? J'ai pas compris. Alors, à un moment, il semble qu'elle est de la Fucking Ponton, ne fais pas ce qu'on lui demande. Fais gaffe, mec, je suis tombé à la prochaine. T'as fait la même que moi. Je peux pas. Ça passe pas. Bah, essaye d'y aller doucement. Oui, oui, oui. J'ai essayé de... Oh mec. C'était sympa, ça. C'était magnifique, oui. Oh merci, tu m'as remis droit. Alors ça, c'est gentil, ça j'apprécie. Non, je vois ton point. Je vois ton point sur la... Voilà, allez, bonne nuit. Vas-y, allez, tout ça pour tomber. J'y crois pas. Je tomberai pas. Je refuse catégoriquement. Non. Écoute, puisque t'insistes... Non. Si. Oh la patate. Bon, point suivant. Oh bah Fayard. Oh bah. Quoi? Oh bah Fayard. Est-ce que je serais pas en train de faire de l'abrégement de souffrance à tout hasard? Oui. T'as 30 secondes pour finir, hein. Je peux pas tenir de la pression. Mais... T'es coincé. Respawn pas. Respawn, c'est bien. Ouais. Bon, on regarde le grand vainqueur. Ouais, ça va. Salut, ça va. Venez, on prend rose. Venez, on prend custom. $1,000. Non, $2. Vaut mieux pas parce que j'ai la custom et je vais te défoncer. Tu connais la course, voilà. Moi, bah oui, je les ai faites quand elles sont sorties. Ah ouais, ça me dirait. Moi, j'ai perdu un petit peu. Ça se voit que tu connais pas la voiture, toi. Non! Putain, non! Fayard, je te hais! Salut tout le monde, c'est Fayard. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore en compagnie de Nico et de Rapide. Encore un jour. Hey, c'est ouais. Samy, le chef Pokémon. Imagine la police de GTA qui viennent et qu'au lieu de te dire RSPD stop de car, ils te disent RSD. T'as bien la Ponto cette fois, Turbo? Oui, c'est bon, il y a la Ponto. Que font deux processeurs le 14 juillet? Un feu dentifrice, allez, c'est bon, Oust, va-t'en. Par contre, c'est beaucoup plus simple en custom, j'ai remarqué. What? Pourquoi ça m'a fait ça? Oh mec, oh ici, j'ai des mauvais souvenirs ici. Toi aussi, on est d'accord. Mais non! Par contre, sinon, t'es privé de dessert. Je peux le faire. Sinon t'es privé de manger. Ah non. Sinon t'es privé de Ponto. Voilà, à moins que je te balance un droit de terre, mais... Oui, ah bah je suis passé premier déjà. Bah dis donc, ça part vite les toilettes ici. Oh, t'as Ponto dégueulasse, mec. Je reviens, je vais vomir. Ouais. 13, 5930, c'est pas beaucoup ça, 5930, ça paye pas mes factures, ça gamin. Ça paye même pas mon bunker. C'est quoi cette histoire là? C'est quoi la ladder? Oh, c'est un crime contre l'humanité. Mec, la ad... Non, il a vraiment fait ça. Bah, pourquoi quoi? Oh, il a pris la savonnette. Au revoir.
Non, j'ai laissé la spie. Mince, non, vas-y, va-t'en. Oust, dégage. Oui. Monsieur FIB, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Allez, s'il te plaît, mec, je suis en code 3. J'imagine les pics de la vraie vie. Eh, mec, arrête-toi, s'il te plaît, on est en code 3. Ouais, on va banaliser, t'es on a la dashcam, on a ta plaque, c'est bon, va-t'en au bout d'un moment. Oula. Oh ouais, non mais carrément. Panique ta mère. Dans le temps de chargement, Rockstar, ils disent ceci n'est pas un jouet. Ouais. Bah, je sais pas, moi. Je vois un enfant, je lui offre un jouet avec deux C4 posés dessus, moi ça me dérange pas. Je sais pas, ça me paraît logique. J'ai pas le boost, c'était juste pour que t'appuies L2 pour que tu freines. Ah, parce que c'est freiné. Mais tu savais pas que la gâchette gauche, c'était pour freiner. Bon, alors toi t'es bon, toi. Alors toi t'es un bon, toi. Je crois que vous êtes L2 V3. Non. Si. Non. Ça va, la course. Pas de manière. Non, ça, c'est faut pas pousser mémé dans les orties. Faut pas pousser les orties dans le mémé. Ça va gratter mémé après. Oh, il est que 21h. Hein. J'en fous de l'heure. Ça fait 3 tours que je fais le même virage, ça fait 3 tours que je me prends le même poteau. C'est un truc de ouf quand même, non? Elle doit venir de l'heure. C'était panique sa mère. Like, partage. Partage sur Facebook. Les pouces bleus. Allez sur ce. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ah non, moi j'ai pas aimé. Ah, mais toi. Moi, je vais aller laisser un post rouge. Imagine quand on sera beaucoup plus connu, genre 1 million d'abonnés. Oula. J'ai avoir spawn in the nightclub. Je fais 2-3 missions et après je go manger. Oh, une panto. Non, je te laisse ça. Une panto. Oh, tu pars en voyage. Pour toi, quoi. Ah, une valise, un pneu, un sac, une trousse à... Non, c'est quoi ça? Une mallette en fer, ok. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, mais attends. Ah non, bah attends, je me suis trompé de côté de montagne en fait là. Toi avoir confiance ou toi pas avoir confiance? Des questions? Oui. Comment tu ressens ça ici? Bah en appuyant R2. C'est marrant, toi. Non, c'est un gilet jaune. What? Eh mec, mais t'as vu la puissance que j'ai eu ou pas là? Je suis pas sûr de ce que je vais faire. Va manger. Ah bah merci. Oh bah alors ça c'est gentil de penser à moi comme ça. Alors, tu m'entends? Oui encore. Attends, est-ce que je suis en train de chercher ma montre pour bloquer ma voix là, ma manette? Oui, c'est moi. Allô? Oui, 1, test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce test est beaucoup sur ce Elle devrait peut-être pas être en très bon état. Bah en même temps, c'est sûr, si tu vas dans les montagnes avec une sportive, elle va pas revenir en bon état. T'as vu déjà dans quel état je suis? Alors, je laisse le rec tourner juste pour voir ce que tu vas faire de ma voiture, d'accord? Ok, ok. C'est passé quoi? T'es mort. Simplement.
Mais je suis plus dans la session en fait. Ah, t'es plus dans. Si je te vois encore en session. Attends. Ah. On en parle pas, je te vois encore en session. Je suis avec toi depuis là. Bah, moi je suis dans un temps de chargement. Buzzer numéro 2 pour dirigeable, demande autorisation d'atterrissage. Attends. Fire, t'abuses. Ah bah là, bon alors là, là ton perso il a les cheveux en feu, il a plus de tête, il est décapité. Ah non, je t'ai pas fait sortir, on est tombé, c'est pas. C'était quoi ça? C'était une attaque suicide? Faut le buter. Ah bah là, il a rejoint. Bonjour! C'est l'armée! Quoi, tu vas y aller? Ouais, je suis pas sûr, mais je crois que Fayard il est mouru. Hein. Oh, c'était violent ce que je viens de voir! Oh, tramway! J'ai fait un face-to-face avec le tramway, pourquoi j'ai perdu? Oh, il est mort. Y'a un problème, le petit monsieur? Non, mais t'es un malade, toi. Est-ce qu'il y a des youtubeurs américains pour regarder des youtubeurs anglais dans la main? Bah oui. C'est quoi ta question? Bon, Fayard, je t'ai déjà dit que c'était pas amphibie. Oh là là, il écoute rien. C'est plus efficace. Non. Non, je tue. Moi, j'ai regardé parce que mais mec, j'ai encore les flics, j'ai rien fait. Mec, mais je suis trop fort ce soir. T'arrives à me faire saute. Vise. Non. 884, 9 scopes. Non. Qu'est-ce qu'a dit Kraté? Bah, je suis mort en même temps. Non. Là-bas. En gros, c'est rien. Regarde. Non. C'est bien, tu t'es suicidé. Michael Bay. Oh non. Après, je vais sortir. Attends, je t'attends. J'en ai marre de moi. De quoi? J'en ai marre de moi. Pourquoi? Comment te dire, je sors de la fourrière, le premier truc que je fais c'est je me prends un poteau et je meurs. Et ma bécane retourne à la fourrière. Oh, j'arrive. C'est pas que j'ai pas confiance hein, mais. Allez, on se prend en vidéo. Non mais c'est en train de tourner. Attends, Attends, Ça me. Thank you.
Voilà. Bon, bah, petit message, le téléphone au volant, ça fait exactement ce que vous venez de voir. Sécurité routière. N'utilisez pas votre téléphone au volant. Ah bah là, pour le coup, je suis bien responsable, bien comme vous. Et non, non, regarde, je suis pas d'accord, je suis pas responsable. Il est garé sur une ligne rouge, c'est pas moi le fautif. Tu peux me lire ce qu'il y a d'écrit en haut là-bas, en, tout en haut de la pancarte en français. Bah, non, les... oui. Tous. Voilà. Y a pas de mort en danger. Normal, je suis en train de fatiguer. Chouchou. Je goûterai en bévermude. C'est le crash qui se prépare. C'est le voyage. Accrochez-vous l'œil, on va péter. Altitude maximum que l'avion puisse atteindre. Nous attendons maintenant le crash de l'avion. Putain, c'est bon. L'avion est en train. L'avion est en train de se désaltérer. Putain, c'est quoi ça? Très chers passagers, veuillez garder votre calme. L'avion est littéralement désintégré. Nous entrons en phase de chute libre. Attends, veuillez garder votre calme et prendre vos sacs à vomi si vous avez besoin. S'il vous plaît, gardez votre calme. Le choc risque d'être légèrement violent. Nous sommes en train de perdre 3 km d'altitude en moins de 2 minutes. Putain, attention au G, dans 3, 2, 1, les G sont là. Mec, on est sur le dos. Mec, la vie commence à se... Elle marche pas. Non, mec, on est ici, votre commandant de bord, veuillez ne pas paniquer. L'avion s'est retourné sur l'eau. Ici, votre commandant de bord. Veuillez garder votre calme. Nous sommes en train de gérer la situation. Si vous ressentez comme une sorte d'asphyxie et d'eau de mer dans le nez, veuillez prendre votre sac à vomi pour respirer dedans. Si votre commandant de bord, si vous n'avez pas d'apnée, nous vous invitons à vous noyer bien comme il faut. Bah, y a un autre petit problème qui est un peu embêtant en fait. Est-ce qu'on a l'envol? Ah non, ça c'est un détail ça. C'est juste le système des APR qui est un peu sous l'eau quoi. Donc on peut pas décoller. Bah ça m'embête quoi, parce que je l'ai payé cher cet avion donc. Je peux te dire un truc. Ah vas-y, fais-toi plaisir, de toute façon on est plus à sa près, regarde. On est paumé au milieu de la mer, on est dans un avion, on est plus que deux. Donc. Ouais, tu peux me dire tout ce que tu veux, bon à la limite je te colle une balle, hein, j'ai encore mon 9mm sur moi, c'est tout. Il doit être un peu rouillé alors. Ça fait quelques jours qu'on est là. Un petit peu rouillé? Oh, bah un peu beaucoup, oui. N'empêche, on aura beau dire, hein, elles sont quand même bien mignonnes ces petites mitrailleuses à l'avant. Elles nous indiquent le nord, regarde. Le pire c'est que c'est pas vrai. Bah non, totalement pas. Elles nous indiquent le sud là. Ah ouais? Bah oui, à mon avis. Ah non, même pas. Ah, ils nous indiquent le nord-ouest. Ah non. Est-ce qu'il est disponible l'est. Le nord là, je sais pas. Non, je parle pas du nord. Est-ce qu'il est disponible le porte-avions? Le porte-avions, bon, oui, bah bien sûr. C'est bien connu. Il est disponible le porte-avions. Sérieux? Et c'est comme on peut rentrer dans le monde Chiliad et aller dans le sous-marin des braquages, c'est bien connu. Ah, d'accord, ça veut dire que non. Ah non, faut s'amuser, mais pas trop non plus, quoi. Par contre, est-ce qu'on peut en parler quand même? Que la queue est en train de faire trempette. Pardon. Bah, regarde, la pauvre queue de l'avion, elle est toujours plantée sous l'eau, là. Elle doit se noyer à force. On dirait que la queue d'une baleine. D'une baleine? Oui. Elle est un peu cassée quand même la queue de ta baleine. Hein. Oh mec. Ah ouais, j'avoue, quand on regarde dessus, on dirait vraiment une baleine. Genre les pneus, c'est les yeux. Ah ouais, t'es pas bête toi. Grave. T'es un génie. Est-ce que
aérien. Les gens, est-ce que ça c'est une putain de baleine? Mec, en vue éloignée. Oh, mais toi en vue éloignée, mec. On dirait vraiment une baleine. Ici le commandant de bord. Nous vous informons qu'une baleine est, est actuellement en train de nous foncer. Ah non, c'est nous. Bon, on va rester là encore longtemps, quoi. Bah, jusqu'à ce qu'on décède. Ah, ça va être long. Tu permets, j'ai soif. Attends, passe-moi le truc dans la boîte à gants, s'il te plaît. Ah, merci. C'est vide. T'as pas de l'eau? Non. Mais t'en as mis, là. Ouvre la bouche, c'est bon, t'en auras. Bon, bah, moi j'en ai marre, hein, je me suicide. Il y a deux gros trous de balles dans le pare-brise arrière, c'est marrant. Tu sais, t'en as un plus gros et un plus petit, tu sais, ça fait genre la famille en vacances, tu vois. Oh bah tiens, une prison fédérale. C'est rigolo, oui. Vous avez gagné 2000$ pour beau comportement. Continuez comme ça, je suis en train d'exploser des avions. Continuez comme ça, monsieur. Bon, ouais, il y a trois yachts. Je jure. Mais... Trop bien. J'ai trois yachts pour le prix d'un. Attends, vite, c'est suffisant. Non, je veux voir la fessée suffisante. Ah non, il y en a un qui doit pas être à moi par contre. Ah si, quoi que. Ah bah si. ODD. Attends, je regardais le dernier. Mais le mon vrai yacht, c'est celui qui est vers l'aéroport. C'est celui qui est depuis le début. En vrai, tu sais à quoi ça doit être dû, je pense. Non, au crash. Non, ça doit être dû à des joueurs qui avaient des yachts et ils se sont transformés en mon yacht à moi. On est des cheats, mec, j'ai fait un glitch, j'ai dupliqué des yachts. T'imagines si on va revendre des yachts. Bah là j'en reprendrais deux, j'aurais 20 millions. Ah ouais. Enfin peut-être 10 millions parce que on vend la moitié à chaque fois. Trop bien. Ouais, mets-toi là à droite. Ouais, tu connais pas ta droite et ta gauche toi, tiens. Ah bah non, bah. Oh lolo. Non, j'explose. J'ouvre juste le passage, t'inquiète. Voilà, allez. Pardon ? Va coucher. Ah, j'ai voulu arrêter 5 véhicules, j'ai loupé mes 5 balles. Il y a un moment, je vais faire peur à un véhicule pour qu'il se rapproche parce que j'ai la flemme de marcher. Je tue le pilote. Donc du coup, bah, et en plus, il a des spawns. Après, je tue un mec dans une Viper au fusil à pompe. Tranquille, je prends sa voiture, voilà, etc. Je la reprends, pneu crevé. Oui, c'est que la chèvre routine, gamin. Prenez. Hop. Achou. Mais gros, mais c'est quoi ça? Mec, j'ai vraiment la pire poisse. Je lance une grenade pour détruire le véhicule de promoteur. Il y a tout qui explose. Ma voiture compris, sauf le véhicule de promoteur. Arrête. Excusez-moi, monsieur l'agent, j'ai éternué. Pourquoi j'ai les flics? Plus le droit d'exploser ses amis dans le coin? J'arrive, je suis gentil, j'explose mon pote. Je vois pas pourquoi je suis pris par les flics. Range ton arme. Ah bah, non, mais me dis pas où est-ce que j'étais, mais tu m'as tué. Couche-toi, on a dit. Ah bah, coucher. Voilà. Mais gros, mais j'ai une poisse. Mais pas possible.
techno là pour les fiers. Lui il a fait demi-tour. Il a vu le carnage. Vous pouvez patienter monsieur l'agent s'il vous plaît, je vous fais un code 99 tout de suite pour vous occuper. Je vais prendre aussi des munitions. Oh, on peut pas tirer quand on est bourré, mais il est nul ce jeu. Justement, normalement quand t'es bourré, c'est la première chose que tu fais, si tu tires dans tous les sens. Non, reste à l'hélico. Et bon. Tu sais, quand on est bourré, on voit des choses marrantes, j'ai l'impression qu'on est en train de se cracher. Ah ouais. Tu savais, oh, on part à chier, toi. C'est rigolo. En fait, t'es vraiment en chute libre. Oui, je sais. Je t'ai vu, c'est cool. Yolo. J'ai l'impression d'être mouillé. Ouais. Coucou. C'était... On dirait un petit rat, tu sais, il sort son nez. Ah non, je rentre tout. Ça fait plus de vagues. Pourquoi je suis happy, je descends happy comme ça. J'ai dit des explications. Pourquoi ça devient tout noir? Pourquoi ça se noircit? Oula, c'est inquiétant là. Ah mec, ça c'est le genre de truc qui me fait flipper dans la vraie vie, c'est de pas savoir, enfin de rien voir autour de moi. Attends, mais t'as sauté? Mais t'es encore en hélico? Putain! Tu l'as. Refais cette blague et je t'atomise. Tu sais que le tu l'as pas. Oh putain! Mec, mon sol il a bouffé le perso. Je suis passé de la fusillade aux atomisations de PNJ, c'est fou. Attends, j'ai rien compris. Non. Coucou. Mais attends, mais... Coucou, c'est moi. Pourquoi ma session? Qu'est-ce qu'elle a ma session? Elle est très bien ma session. Olé! Oh, c'était trop beau! C'est bon, tu peux m'inviter? Oui, ouais. Attends, pour t'inviter, faut que je te trouve d'abord. Ça y est, j'ai trop d'amis là-dedans. Quoi d'amis? Merci, mon cher amigo. On va faire un peu de beurre. Mais c'est une grosse blague! Ah, grosse comme quoi? Mec, ça fait une demi-heure que je le cherche. Tout ça pour voir rejoindre partie désactivée, envoyer invitation désactivée. Mec, t'as pas. T'as pas accepté les règles ou t'as pas fini l'intro de je sais pas quoi de mes deux là? Pique-nique douille, c'est toi l'andouille. Hein? Oui, ça m'arrive de personne. Pique-nique douille, c'est toi l'andouille. Putain, mais qui mec... c'est qui fait ça? Non mais mec, tu rigoles, mais c'est grâce à ça que j'ai eu 20. De quoi? J'ai probablement dû avoir 19, j'avais hésité, j'avais pique-nique douille, j'ai eu 20. Non. T'as pas le droit. Gros les amis, c'est pas la vie de Pokémon. Putain, t'es tout le temps. Ça, ce sera dans le monde. Coucou. Quoi? Ah ouais? C'est sûr? Ah. Il est bon, pas de Ah non mec, c'est bon, je rec. Ça c'est rec, ça. Ça c'est rec. Moi, je m'en fous, c'est rec. Le rec est... Non, c'est bon. C'est écrit atomisé sur mon écran. Ah d'accord. Oh non, il a sorti l'œil de Dieu. Tu veux toujours parler puissance? Le camembert Macron. Je sais pas propre. Président c'est Macron. C'est un camembert avec sur la boîte plein de gilets jaunes.
Parce que s'il y avait des t-shirts, parce que les t-shirts étaient de Johnny. Le jour t'es encore vivant. C'est quoi le nom que tu dis? Alors si là. Je suis plus que quoi. Tu peux pas m'habiller. Trop tard. Non, non. Mais non. Oh, retourne-toi, retourne-toi, retourne-toi. Attends. Oh. Regarde, ça part en steak derrière. Bonjour. What? What the fuck? Mais t'es pas sauté. T'es pas basique. T'es où? Je vois rien. Attends, attends, bouge, 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 pas. Je suis invisible. Tu te vois invisible. Ouais. Ah non, j'étais en FPS. Mais non, mais. Et je me suis pas mis en FPS. C'est ça le problème. De quoi le plus pire? Oui, Fayard, bien. C'est dans la boîte. C'est bête ça. Ouais, là, c'est qui m'a mis sur son truc, c'est Bibi. Et tu bouges ton boule. On va te donner ça. Ouais. Qui a dit qu'une lowrider ça caberait pas? Ah non, je l'ai pas défoncé. Bon, peut-être les suspensions. C'est le printemps, les voitures s'accouplent. Comme papa, dans maman, les voitures se montent dessus. Et voilà, ça fait ça fait des bébés tornado. Le rein, c'est pas lancé. Et ben t'es plus qu'à la revendre et puis à la refaire. C'est un véhicule. Ça va, je te dérange pas. Non, c'est bon. Sinon quoi? Sinon tu te prends des poteaux. Magnifique, magnifique. Oh, ça allait vite. Ah non, ça allait vite. What?
Le comprendez qui est pas ça. Au gros. Regarde dessus. Une étoile. Les résultats des élections en direct. De découvrir qui ont. Mais j'en ai rien à foutre. Ah mais je dois attendre un jour pour payer mes factures. C'est pour ça que je peux pas commander de véhicule. Oh. Ah mais t'es là. Tu vois tes fenêtres? Oui. Eh ben tu les vois plus. C'est bordel. Oh mais dis pas ça. T'es pas tombé. Oh c'était magnifique. Pardon. Mais t'étais grave loin. T'es rempli de sang mec. Oh non il a réussi. Aïe. Karma. Gros je me suis fait traîner par un PNJ. Oh mais attends mais ça va péter ça. Quoi. J'étais en train de capituler. C'est ça qui est marrant avec les flics, tu peux faire un attentat, tu te rends, ils tuent quand même, ils cherchent pas à savoir, ils s'en foutent. Non, mon copain. C'est quoi cette... C'est quoi cette poisse? J'ai envie de te monter un truc, par contre il me faut un bus. C'est que t'aimes bien les grands trucs, mais de là prendre un bus... C'est dingue, mais les bus, à chaque fois, quand tu veux pas qu'ils soient là, quand tu les cherches pas, ils spawnent. Et par contre, quand tu veux qu'il soit là, il spawn pas. Non, mais c'est toujours comme ça sur GTA. Moi, je te dis, ce jeu, il a une conscience. Ah là, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. T'es magnifique, ce kill. Mec, t'as tiré. Mec, attends, t'es encore. Mais t'as tiré. T'as tiré en haut. Oui. Putain. Le mec, je l'ai vu sauter, mec. Quand? Aïe. Oh, je sais où est-ce qu'il peut y avoir un bus. Ça. Bon, dépôt de bus. Mec, en vrai, si je coupe à 21h30 ou 21h25, je suis tellement bien. Et ben, y a pas de bus. Ça va faire mal. Oh, d'accord. Je vais mettre mon argent à la banque. What? Mais bon, je vais voir et puis mec, voilà. Parce qu'il est quand même 21h21. Atchoum. Qu'est-ce que tu fais? Exploser véhicule. Bon. Ça m'écœure de faire ça, mais c'est pas grave. Allez. Il loue le dépôt de bus. Lifestyle management. How can I help? Allez. Tu me fais peur. J'abandonne. Great. So it's available for pickup at our nearest location, sir. Est-ce que t'as déjà senti l'odeur, tu sais, de la fumée? Ouais. Bah. T'as déjà respiré de l'odeur. Oui, mais ben. Ouais. Et bah dis-toi que là, j'ai l'odeur dans le nez. Et pourtant, mec, y a aucun fumeur à côté de moi. Y a aucune personne qui fume à côté de moi. Et pourtant, j'ai quand même l'odeur. Déjà, 8h, c'est le grass mat, alors 9h, c'est les vacances. Pourquoi tu veux un bus, en fait? Parce que je veux tenter un truc. Des fois, je me demande vraiment ce que je fais de mon argent. Et des fois je me demande qu'est-ce que je fais vraiment
de ma vie sur GTA. Chercher des bus. Ah, c'est très important, hein, le métier de chercheur bus, chercheur de bus. Vous faites quoi dans la vie, monsieur? Chercheur de bus sur GTA online. Ah, et vous êtes payé combien? Ah non, c'est du bénévolat. Lico Flip Challenge. Oui, Lico, mec. Ça y est, tu viens lancer un challenge. Ah, mais j'ai 4 étoiles. Oh, ça la bonne franquette. Il y a tout sauf des bus. Même des vélos, il y en a pas autant. Que t'as moqué, connard. Il va trop t'es pas cette nuit. Bah tu parles seul. Je te vois en boule dans ton lit. Je veux un bus. Puis tape avec une petite cuillère, je meurs. C'est vrai? Oui. Bah je vais te gratter à la fourchette alors, comme ça. Oh, un bus. Non. Non. Putain, c'est pas sous espoir. Hein. Genre si je vois un bus, je screen. Un bus dans ma vie, ça va être de trouver des bus, mais tu vas rien comprendre. Mais dans 50 ans, tu vas me retrouver. Tu vas me dire, oh, t'as fait quoi de ta vie depuis qu'on s'est séparé à 18 ans? Oh, on va chercher des bus, écoute. Oh bonjour, je vais juste chercher les bus. Mais comment un gun aussi petit peut faire autant de dégâts, sérieusement? T'as le calibre 50? Non! J'ai le pétoir. MK2. Le pétoir. Frère, j'étais moche. Ouais, tu l'es toujours. Enfin, décembre 2018, j'avais 2018. Oh putain. Oui, décembre 2018. Oui, Faya, bien. Bien. Oh, t'es un fou malade. Ouais, à chaque fois que quelqu'un dit bah les steaks, j'imagine trop quelqu'un qui tire un steak et qui le bat. Et c'est fini, je m'en bats les couilles. Ça doit faire mal. Ah bah c'est l'explosion là. Hier on a parlé de bug de Manéfer. Oh, comment t'as prédit ce que je voulais faire? C'était au même moment, mais juste après. Milite. T'es un fou malade, oui. Qui rêvait de faire une mission car son patron est plus. Mon cul était mort. Char, <carrément. rire> Oh, ton personnage, mec. Ton perso, comme on dit. S'il te plaît, dis-moi, mec, ça a pris le screen quand le perso était là. Du coup, 30 balles à la seconde, ça te va ou pas? Une nuit des secondes, j'ai dit. D'accord. J'avais pas dit dans cette forme de balle-là. Allez, boum, tu m'auras pas eu. Non, ah, parce que t'es... Attends, je suis encore dans ton sécurité.